Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. En tant que directeur cabinet, mairie de Balembe, spécialement président commission communale mairie, c'est Georges Bertol. Je viens parler sur deux aspects matin là. Premier aspect, je viens parler sur Moun Balembe, qui a traversé une situation problème. Je dis à, c'est vrai, excellent Jovenel Moïse, te dit encore une fois, tu restes là et pour peuple là. Président, c'est vrai, il a travaillé, président a déchouqué l'équipe raquette politique. Mais je dis à président, font virer garder mairie Balembe, spécialement magistrat avec Moun commune Balembe. Je dis à, cap vivons douleur, un problème. Je dis à grand pile barri pour quoi atterrir en termes social, font virer garder. Et n'a dit président encore une fois, rejoignez Moun Balembe. Moun Balembe remet mais font virer garder. Et je dis à, c'est objectif ça mis par conférence de presse là pour me parler de problèmes, situation mairie Balembe a confronté. Je dis à mairie Balembe non problème critique. M'a dit président Jovenel Moïse, PM Jout, m'a dit ministre intérieur Odefis Bernadel qui font travail sérieux en dans ministère intérieur. Et m'a dit tout staff président, félicitations. Et je dis à m'a dit la presse parle et écrit comme moi sénateur Nenel Kassi pas répondre invitation de CPJ. Et je dis à m'a dit la justice met ça en boîte. Regarde ça qui passé hier au niveau quoi des bouquets. Et je souhaite que le pays prenne note ça qui passe. Et je dis à pays n'a pas qu'à aller dans la diversion politique encore. Pour qui ça me dit? Je dis à l'opposition, quitte sénateur Nenel, quitte Yuri la tortue, quitte Yuri Chevry, monsieur, on essaie de mettre une table ronde avec le président Jovenel Moïse. Je dis à son président qui vient travailler. C'est ça le président Mabou Manti, moi-même en pile pour travailler, monsieur, fait. C'est monsieur, apprenons, consacrer les gros chats. Je ne pense pas gros château au Sénégal, Zamio et Manti. Gros château Sénégal Vestio. Par exemple, Dimitri Vob, qui est capable de Petro Amal, qui est cop courant Petro Caribé en Amel. Et je dis à ma président, je félicite encore une fois, je ne suis pas de l'équipe, je ne suis pas de bataille avec elle. Mais je dis à je viens rejoindre moi par rapport à la jeunesse là, qui est avenir pays, qui est fierté pays. Je m'a dis jeunesse là, ressaisis. Et je vais pinga dans l'opposition. Qui pinga? Je dis à ce n'est pas dans divers, ce n'est pas dans le pays. Le pays n'est pas pour Dominicain, le pays n'est pas pour Américain, le pays c'est pour nous. C'est un dialogue. Monsieur André Chita, bon table pour nous dialoguer. Pour nous sortir de problème pays. Même j'ai un problème, Balembe a confronté. Je dis à Balembe a confronté un paquet de problèmes. Problème de l'eau. Problème grand goût. Problème travail, chômage. Je dis à le président de la République. Faut voyager, garder mon commune Balembe. Je dis à mon commune Balembe, t'es voté. Et peut-être ça a un message là. Pour venir passer un message là pour vous. Si reste là, faut venir journée. Et je dis à nos mairies, nos vice-délégations dans Balembe, qui est dans la tête délégué Gabi. Je dis à président, essayez de ressaisir. Parce que vous travaillez, je dis à Tiouri bon côté. Et je ne pas bon côté pour 10-15 gouttes. Bon côté, via vie de ministre intérieur, au défi Bernadel, équipe, mon frère, papa, nous venons faire un travail sérieux. Je dis à travail là, commencer de dialogue. Et je dis à journalistes, moi, je en pile, sans journalistes, pas rien nous-mêmes. Je dis à sans journalistes, pas de parole, nous ne pouvons pas passer. Je dis à vrai gang, pas journalistes. Vrai gang, c'est nek 4 mètres, maman, 80 l'année, qui a un gros chèque, nan, mais c'est vrai gang. Nan. Je dis à si à travers journalistes, qui fait m'a dénoncé, et m'a venu, et m'a dit, monsieur, le 7 mars, si vous pas chita, excellent Jovenel Moïse, dans pile nek bat maintenant, de à tout chèque qui n'a pas eu. Mon paquet nek sénateur mandat a fini. Qui a un gros chèque dans le mail. Exemple, sénateur Yuri, là, tout dessus. Algat date chèque là pour après le date janvier 2020. Algat qui les mandats fini. Je dis à Fon Soumé nous pour nous comprendre pour qu'a fait là. Et pas ce sénateur Yuri, là, tout dessus. Par exemple, sénateur Sénatus, je dis à où est qu'a parlé président mal. Même m'a fait Sénatus avec la presse contre ça, je dis à qui est-ce qui te mette chef cabinet comme ministre jeunesse des sports. En parlant de Maître Edwin Chalon, grand avocat. Je respecte, c'était sénat qui était par le président Jovenel. Je dis à Edwin Charles, pas par monsieur, hein? Edwin Charles, bloque confiance, monsieur. Je dis à le tourner un problème dans le président là. Mais je dis à l'intégré ministère sport, combien de jeunes dans le sport, combien de footballeurs dans Matisse, dans Grand, dans Tibois, dans le village, où on a fait succès à Edwin de là, zéro. Combien de terrains bâti
Combien de terrains étaient réparés? Zéro. Je dis à monsieur, on ne pas fait payer à ça. On comprend. Je dis à monsieur, jusqu'à 7 mars. 7 mars. Monsieur Pacha Chouanta, le 8 mars, m'a mis toute cacachette dehors. Qui dans le montant totalise 2 150 000 dollars américains, soit environ 72 millions de goudes. Ces projets-là portent sur tout d'abord une initiative qui est lancée par le directeur général de la FAO, et Haïti est un des pays prioritaires dans la mise en œuvre de ce projet. C'est l'initiative main dans la main pour le développement. Le second projet, qui est un appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité, de souveraineté, en ce qui a trait à la sécurité alimentaire et à la nutrition. C'est un projet, vous savez, au ministère, nous avons la coordination nationale de la sécurité alimentaire, qui avec nous fournit des informations sur l'état de la sécurité alimentaire dans le pays. Donc c'est un projet qui vient à l'assistance technique, principalement à la coordination de la sécurité alimentaire. Le deuxième projet, qui vraiment nous tient à cœur au ministère depuis quelques années, c'est un appui à la lutte contre le Phytophthora holocaustien. C'est un agent pathogène qui cause le mildiou du Tao, qu'on appelle également Mason Bell. Depuis quelques temps au pays, les gens se plaignent, il n'y a pas beaucoup de Mason Bell et dans la diète alimentaire. Donc cette année, avec la FAO, nous avons obtenu une coordination technique qui va nous aider à lutter contre cet agent pathogène et produire des semences saines et dans le pays. Le quatrième projet va poursuivre l'initiative qu'on avait déjà avec l'ICA, c'est l'agriculture périurbaine et urbaine, et qui va nous aider, pas sur l'agriculture, mais les affaires sociales et d'autres ministères et d'administration, à lutter ou bien à générer des revenus dans la couche et appauvrie des jeunes et des ménages au chômage. Et le dernier projet qui est récemment approuvé par le siège de la FAO à Rome concerne principalement le Nord-Ouest. C'est une assistance à la protection et à la restauration des moyens d'existence des ménages en situation d'urgence. C'est un terme bien utilisé
et en termes de sécurité alimentaire. Vous voyez? Donc, ce qui va se donner dans le Nord-Ouest. Ce sont des passes techniques, pas vraiment des projets. La FAO va nous aider, et ses techniciens, à nous préparer mieux de façon à pouvoir après lancer des activités beaucoup plus intenses et intensives dans le cadre de ces projets-là. Selon l'analyse des classifications intégrées de la sécurité alimentaire IPC, réalisée par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA, près de 4,1 millions de personnes, soit 40% de la population totale, sont actuellement en insécurité alimentaire. La crise humanitaire qui connaît Haïti est complexe. Les chocs climatiques, les événements météorologiques extrêmes, les troubles sociopolitiques et les faiblesses structurelles, ainsi que la dégradation de l'environnement, contribuent à la détérioration des moyens de subsistance les plus vulnérables. La problématique de la faim et de l'insécurité alimentaire constitue un défi majeur que les gouvernements et les acteurs de développement doivent affronter. Malgré l'ampleur des défis, plusieurs louables initiatives ont été prises par le gouvernement haïtien dans la perspective de contrer les flux de la pauvreté et la faim en Haïti. Mesdames, Messieurs, la FAO développe avec le gouvernement haïtien une coopération technique définie à travers le cadre de programmation pays, lequel s'aligne sur les priorités de l'État haïtien, dont les racines se retrouvent dans la vision du président de la République. Pour appuyer les efforts du gouvernement dans le développement durable du secteur agricole, elle apporte son soutien technique dans les quatre domaines prioritaires suivants. 1. Appui institutionnel, visant à l'amélioration de la gouvernance et de la coordination de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, des statistiques agricoles et des systèmes d'information. 2. Appui au développement de filières sélectionnées par le ministère à travers le renforcement de la capacité opérationnelle des acteurs publics et privés en vue de l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des produits agricoles, de l'élevage et de la pêche. 3. Contribution à la conservation et la gestion des ressources naturelles à travers le renforcement des systèmes de gestion et d'exploitation durable des ressources naturelles et l'aménagement intégré et participatif des bassins versants, eau, sol et forêt. Finalement, 4. Renforcement de la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles et aux crises alimentaires, par la réduction de l'impact des catastrophes naturelles sur la vie et les moyens d'existence, des menaces et des communautés rurales vulnérables. C'est dans ce contexte, en appui au gouvernement, que la FAO, avec ses fonds propres, a financé 5 projets pour un montant de 2 150 000 dollars américains. Ces projets contribueront à la mise en œuvre des initiatives de développement intégré, l'opérationnalisation de la politique et stratégie nationale de souveraineté et de sécurité alimentaire et nutrition en Haïti, la lutte contre les phytophthora colocas, agent causal de mildiou de taro, par la production de semences saines en Haïti, et l'agriculture urbaine et périurbaine pour la génération et la diversification des revenus des jeunes et des femmes au chômage. Finalement, l'assistance d'urgence à la protection et la restauration des moyens d'assistance de populations vulnérables en phase d'urgence du département du Nord-Ouest. L'agriculture urbaine et périurbaine pour la génération et la diversification des revenus des jeunes et des femmes au niveau du chômage. L'assistance d'urgence à la protection et la restauration des moyens d'assistance des populations vulnérables en phase d'urgence du département du Nord-Ouest. La signature de ces projets souligne, une fois de plus, toute l'importance de la coopération entre Haïti et la FAO, qui entretiennent depuis des dizaines d'années un partenariat qui a permis de réaliser
plusieurs chantiers au profit du secteur agricole haïtien. Ils sont en cohérence avec les grandes lignes d'action du ministère de l'Agriculture. J'aimerais à cet égard remercier au nom du MAN et en mon nom personnel, la FAO, nous présenter ici par M. José Luis Fernandez pour son soutien aux initiatives visant à la dynamisation du secteur agricole. Monsieur le représentant de la FAO, je voudrais vous donner l'assurance quant à l'engagement du ministère de l'Agriculture à apporter sa contribution à la mise en œuvre et au suivi des 10 projets, tels que prévus dans les documents. Je reste convaincu qu'avec les efforts conjugués de tous, MAN, FAO, gouvernement, population bénéficiaire et autres partenaires au développement, les appuis profiteront comme prévu aux populations cibles et contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'un certain nombre de familles vulnérables. Il y a des juges d'instruction, selon des informations qui menaçaient, bagay sa bay en pile moun tête chargé, il bay en pile association de magistrats tête chargé, parce que magistrats ont doué non seulement une possibilité de gain possibilité pour fonctionner dans la sécurité, dans la sérénité, pour capable remplir mission yo. Mais faut que nous dit tout, à chaque fois que y a un arrêt de travail au niveau de la magistrature, les détenus, les prisonniers en paient les frais. Parce que bagay ça augmenté, qu'on le veut ou non, détention préventive prolongée. Donc voilà deux raisons fondamentales qui permettent de nous dire que l'atelier ça que nous avons fait là, qui prend le porter sous assistance légale, responsabilité des bureaux d'assistance légale, eh bien, au-delà de l'initiative, de l'activité elle-même, il y a donc des sujets de préoccupation. Ce sont des défis de taille pour la justice. Ce sont des défis de taille pour la question des droits humains en Haïti. Et nous devons tous et toutes ensemble conjuguer nos efforts pour voir comment on peut les contourner. Nous devons tous ensemble les contourner dans l'intérêt de la population, mais surtout dans l'intérêt des catégories les plus vulnérables, les femmes, les enfants, car on doit le souligner à nouveau, en situation de crise, en situation de troubles politiques, en situation de tension politique, les femmes, les enfants, à côté, bien évidemment, d'autres catégories vulnérables, sont toujours les premières victimes. Nous espérons donc, à l'issue de cet atelier, on pourra quand même venir arriver à des propositions concrètes pouvant faire avancer cette cause noble, à savoir l'accès à la justice, la protection des catégories vulnérables, la protection des femmes et des enfants dans une situation difficile où le système judiciaire traverse une crise pour le moment. On ne pourrait jamais réaliser des progrès sans la présence des bureaux d'assistance légale. Les bureaux d'assistance légale sont d'une grande utilité pour le tribunal. C'est la raison pour laquelle je travaille toujours comme doyen, je travaille toujours en étroite collaboration avec les bureaux d'assistance légale. Les assistants légaux attirent l'attention de la magistrat sur les dossiers en souffrance. Il m'arrive souvent de dire que souvent, c'est un grain de sable qui bloque le fonctionnement de la machine. Lorsque les assistants légaux se présentent au bureau du juge, ils aident le juge à réaliser son travail. Ils aident le juge à exécuter
des mesures d'instruction. Les assistants légaux accompagnent souvent les victimes. On sait que la victime est le premier témoin de l'infraction. Et la victime, lorsqu'elle se constitue partie civile, a également une cause. Mais si la victime ne se constitue pas partie civile, elle ne peut pas interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la décision du tribunal répressif qui lui fait grief. Car si la personne n'a pas une cause, elle ne peut pas attaquer la décision qui lui fait grief. D'où l'importance de la présence dans les procès des assistants légaux. D'où l'importance des assistants légaux, car sans leur présence, le juge d'instruction ne pourra jamais réaliser cette instruction. Avec la présence des assistants légaux, il n'y a aucun risque de victimisation de la victime. Des fois, on parle de victimisation de la victime, c'est-à-dire, on a une victime une deuxième fois. Ses droits sont lésés. Dans ce cas, je dois féliciter l'OPC qui, à travers ses représentants, aide le tribunal à réaliser ce travail. L'apport de l'IMED, par exemple, l'Institut mobile d'éducation démocratique, il y a environ 10 ans, l'Institut mobile d'éducation démocratique a aidé le tribunal de première instance de Port-au-Prince et le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets à décongestionner le CERMICOL, c'est-à-dire le centre d'éducation de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. La turbulence politique paralyse le fonctionnement du tribunal depuis quelques années. On doit dire que dans ce cas, il y a une interruption du service public de la justice. La justice en tant que service public doit fonctionner sans interruption. Mais depuis quelque temps, on n'arrive pas à tenir des audiences, soit à cause des turbulences politiques, soit à cause des grèves en série. Dans ce cas, je conseillerais aux responsables, aux décideurs politiques, de se pencher sur le sort des magistrats pour que les détenus puissent connaître leur sort. Au terme de cet atelier de consultation sur le rôle et la responsabilité des BAL, activité qui s'inscrit dans le cadre du projet renforcé de l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale. Nous estimons une grande fierté et une grande satisfaction. Alors, en choisissant de réunir avec les acteurs du système judiciaire, les autorités de la police nationale, les organisations de la société civile, la communauté de LGBTI, les étudiants et étudiantes qui sont ici présents à cet atelier, cela suggère l'idée que nous avons opté pour une approche de complémentarité afin de rechercher la synergie qu'il faut entre toutes les structures engagées dans la lutte contre l'inégalité sociale. Ainsi, à l'issue de cette journée, les réflexions sur les relations entre les BAL et les TPI par Maître Bernard Saint-Phil. Ensuite, les apports de la loi de l'assistance légale pour les personnes les plus vulnérables par Maître Olivier Magloire. Et surtout, les expériences de Mme Gerline, résidente de CRIFA. C'est une illustration qui dit clairement combien le travail en équipe est indispensable pour arriver à assister et accompagner les femmes victimes de toutes sortes de violences. C'est vrai qu'il y a un pile parcours qui fait déjà.
mais nous gagnons pour nous gommer en pile, pour nous gagner une société égalitaire sans force côté. Chers amis de l'OPC, les défis sont de taille. Pour cela, OPC et ONU Femmes comptent sur votre collaboration pour continuer à assister et accompagner les plus vulnérables. Alors tous et tout ensemble, une Haïti plus juste. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux et content d'être ici pour cette cérémonie de remise de temps offerte par les deux fondations taïwanaises qui sont la fondation bouddhiste Puxian et également la fondation Cao Zhongzi. À la secrétariat d'État à l'intégration des personnes handicapées. Vous savez que la dernière temps, depuis la dernière temps, ça fait déjà un an, et c'est une année qu'on a traversé une période difficile, qui est la COVID. Mais grâce à bonne gestion à Taïwan, la croissance économique de Taïwan de l'année dernière a connu un chiffre historique qui est à 2,99% d'augmentation. Et ce qui représente, tout ça, son confinement, sont modifié la vie économique à Taïwan. Et ceci dit que la société privée, le développement économique sont très favorisés, plus que jamais motivés et inspirés pendant cette période. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'ils ont encore beaucoup plus de volonté de travailler avec nos amis haïtiens, notamment aux peuples handicapés. Depuis 2018, la République Sœur Haïti est figurée parmi les partenaires prioritaires de ces deux organisations non gouvernementales taïwanaises à but non lucratif, bien connues à Taïwan qu'un peu partout à travers le monde, offrant dans l'humanitaire en faveur des orphelins, des personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes à besoins spéciaux. En 2019, ces deux fondations ont décidé d'unir leurs efforts pour offrir au gouvernement haïtien un premier temps sous forme de matériel remis en février 2020, en vue de favoriser l'intégration des personnes handicapées. Ce nouveau temps se manifeste une fois de plus l'amitié et l'action de la solidarité du peuple taïwanais envers le peuple haïtien qui se poursuivent de plus belle en dépit de la pandémie qui sévit. Ainsi, ces actions de solidarité devront contribuer à explorer les potentialités des personnes à mobilité réduite qui répondent toujours pour participer à toutes les activités sociales, économiques, culturelles et politiques. Il m'est donc agréable, au nom de ces deux fondations, de mettre à la disposition de la secrétariat d'État à l'intégration des personnes handicapées un conteneur de 20 pierres contenant 80 chaises roulantes pour les adultes, 30 chaises roulantes pour les enfants, 48 chaises de toilette, 200 déambulateurs, 100 cannes pliantes, 300 béquilles et 200 cannes anglaises pour aider les bénéficiaires à retrouver plus d'autonomie et de confort dans leur vie quotidienne. Ces matériels pourront renforcer l'engagement du gouvernement haïtien et compléter les multiples efforts déployés pour améliorer la qualité de vie et de promouvoir l'intégration sociale et économique et d'une vie
indépendante des personnes à mobilité réduite. Cette collaboration naissante depuis 2018 prouve une fois de plus que Taïwan continue à contribuer à appuyer le développement durable en Haïti. Pour terminer, je souhaite sincèrement que ces matériels contribuent à l'autonomie graduelle et à l'indépendance des futurs bénéficiaires en quête d'une vie meilleure. J'ai l'ici honneur d'accueillir M. Richard Wenjongku, ambassadeur de la République Chine-Taïwan, et sa secrétaire, Mme Li Chin-Chen. Au nom du gouvernement haïtien, au nom des personnes handicapées et en qualité de secrétaire d'État des personnes handicapées, je tiens à remercier le gouvernement Chine-Taïwan pour ce don de matériel adapté. Nous adressons nos plus vifs remerciements aux deux fondations taïwanaises, la Fondation bouddhiste Puchen et la Fondation Caro Jiangxi, qui ont mobilisé toutes les énergies pour nous offrir ces matériels. La réception de ce don de matériel témoigne la volonté des deux États pour faire avancer les droits des personnes handicapées. Nous reconnaissons que chaque matériel adapté donné à une personne handicapée en fonction de son besoin fait partie intégrante de son corps. Nous reconnaissons que le besoin en matériel adapté est énorme en Haïti. J'ai eu l'opportunité de visiter des personnes handicapées dans les 10 départements du pays. J'ai pu constater que les besoins sont présents. Nombreuses sont les personnes handicapées qui utilisent des matériels adaptés, abîmés et qui devraient être mis hors d'usage. D'autres utilisent des supports archaïques. Plusieurs facteurs expliquent ces difficultés. Notre banque de matériel, qui n'a pas de quantité suffisante pour satisfaire toutes les personnes handicapées, et le souci économique de certaines personnes handicapées aussi pour en acheter. Monsieur l'ambassadeur, je vous assure que l'on va faire une distribution équitable de ces matériels pour répondre aux besoins des personnes handicapées. Car le matériel adapté vient souvent en support à un membre ou remplacer un membre d'un corps suite à une déficience. Il permet la mobilité personnelle et l'autonomie des personnes handicapées. La mobilité personnelle et l'autonomie sont définies comme un droit fondamental par l'article 20 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Mesdames et messieurs, représentants et représentantes des organisations des personnes handicapées, je vous demande de faire de bon usage de ces matériels que vous allez recevoir. Haïti, à elle seule, ne peut pas tout mettre en œuvre pour le respect des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Pour cette cérémonie, je salue la bonne coopération de cette relation bilatérale entre la République Chine-Taïwan pour la mise en œuvre de droits. Monsieur l'ambassadeur, et je profite pour solliciter l'appui de votre gouvernement dans bien d'autres domaines, tels que l'éducation, l'agriculture et sécurité alimentaire, etc., afin de promouvoir l'inclusion des personnes handicapées. Encore une fois, au nom du président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, au nom du Premier ministre Joseph Jout, je vous remercie. Que la coopération de la République Chine-Taïwan dure à jamais. J'aimerais quand même rappeler qu'aujourd'hui, c'est le 26 février, vous devez savoir. 26 février, c'est pratiquement à quelques jours près la date anniversaire, un an déjà que le Covid a été, je dirais, entre guillemets, on savait qu'il circulait dans le monde entier, mais annoncé en Haïti, et pratiquement des mesures ont été prises.
comme la fermeture des frontières, etc., etc. Avec, il ne faut pas se le cacher aujourd'hui, un stress et bien, je dirais, normal, compte tenu du fait que nous avons quand même des hôpitaux et un peu défaillants. Donc, beaucoup d'inquiétudes en Haïti par rapport à ce qui s'en venait, sans savoir trop voir comment nous allions être affectés. Chance, je dirais, grâce à Dieu, on peut le dire parfois, ce n'est pas quelque chose aujourd'hui d'inusité. Le Covid a circulé, on le sait, il a beaucoup circulé. Et encore une fois, grâce à Dieu, il n'y a pas eu beaucoup de victimes. Et on ne peut que s'en réjouir d'ailleurs. Donc aujourd'hui, grâce aux membres du conseil d'Agerca qui sont là, j'aimerais quand même rappeler que nous avons été pratiquement les premiers avec quelques membres de l'Agerca, mais aussi des partenaires de terrain à agir un peu dans tous les départements du pays. Port-au-Prince aussi, je reconnais aussi quelques personnes, Marc Henry est là, qui nous ont aidés dans certains quartiers défavorisés de la capitale pour pouvoir apporter, je dirais, des solutions aux personnes qui en avaient le plus besoin à ce moment-là. Bon, j'aimerais aussi en profiter, bien sûr, pour remercier nos partenaires financiers, le PNUD, le CBI, qui nous ont apporté leur contribution financière, et encore une fois, les partenaires à terrain. Sans eux, je sais, on ne pourrait rien faire. Ils pourront toujours coordonner, mais on ne pourrait pas vraiment agir, puisque, effectivement, le Covid-19, il s'est beaucoup traité sur le terrain. Et bien sûr, je ne saurais aussi me passer de citer Edzer Emile, économiste, qui a permis aussi de faire une petite enquête pour connaître exactement comment le Covid nous a affectés, en particulier en Haïti, et il va nous présenter un petit peu tout ça en chiffres. Encore une fois, il faut quand même rappeler que c'est vrai, effectivement, le Covid-19 passe, parce qu'il n'est pas passé, il continue, il circule, il n'y a pas beaucoup de dommages, grâce à Dieu, encore une fois, merci. Mais il ne faut pas oublier une chose, il y a des variantes, on a vu qu'en Europe, aux États-Unis, ça circule très très vite. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment encore, ces variants peuvent arriver en Haïti et on ne sait pas à l'avenir comment ces variants pourraient nous affecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur, mais il faut toujours garder les gestes barrières, ce qu'on a pu quelque part instituer. Je vois aujourd'hui beaucoup de gens ont toujours des masques et c'est tant mieux. Continuer à se laver les mains, continuer à être prudent de façon à nous préparer. Il y avait 58% de ces entreprises qui avaient des prêts bancaires ou des prêts de microfinance. Donc, encore une fois, c'est pas les entreprises informelles de très, très, très petite taille, mais quand même des entreprises, pour la plupart, qui étaient enregistrées, formelles, mais aussi qui avaient des activités d'emprunt au niveau du système financier bancaire ou encore de la microfinance. Maintenant, quelques données rapides. 58% des entreprises qui étaient sous l'étude étaient dans le secteur des services. Bon, avec 27% du secteur secondaire et seulement 15% du secteur primaire. Donc cela veut dire que c'était des entreprises notamment dans les centres urbains avec une dominance du secteur de services. Maintenant, autre information, c'est que à la question générale, est-ce que vous étiez touché par la crise? Donc 89% des entreprises avaient dit oui, pendant que 11% estimaient qu'elles n'étaient pas touchées par la crise Covid. Maintenant, une autre question, on voulait regarder l'ampleur de l'impact. C'est pour ça qu'on a utilisé une échelle pour catégoriser et impact élevé, impact faible, impact très élevé, impact très faible. Donc parmi les entreprises qui étaient touchées, et 76 parmi elles estimaient qu'elles étaient très touchées par Covid-19, pendant qu'à l'extrême, 3% se disaient que l'impact était très faible. Donc là, c'est pour les entreprises qui étaient touchées. Maintenant, au niveau du chiffre d'affaires, qui est pratiquement l'indicateur principal pour mesurer la performance des entreprises, le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle les ventes, ou encore les revenus, comme vous voulez. Donc, les entreprises, 78% des entreprises avaient enregistré des ventes plus faibles. Bon, c'était prévisible. Donc, 78% des entreprises avaient enregistré des ventes ou encore un chiffre d'affaires plus faible
pendant la période de la pandémie, pendant que 11% avaient estimé que les ventes étaient stables, donc il n'y avait aucune baisse, mais parallèlement, il y avait 11% qui ont enregistré une vente plus importante. Dans nos activités de terrain, on a eu trois phases. Il y a la première phase de consultation, parce qu'il fallait constituer des équipes. Dans un premier temps, les équipes de zone, les coordonnateurs, comme le font toujours CPDEP, et ensuite monter, mener des enquêtes de terrain pour la réalisation des activités dans les églises, dans les écoles, les commissariats, marchés publics et autres. Et deuxièmement, il y a eu la phase de formation. Formation parce qu'il fallait former les équipes qui vont intervenir sur le terrain. Dans cette phase de formation, il fallait construire des fiches techniques et notamment traitant des sujets liés au coronavirus, comment il fallait se protéger, produire des documents, parler et produire des messages enregistrés également, parce qu'il y a une phase aussi pour et la sensibilisation par mégaphone et autres. Et il y a la mobilisation sur le terrain. En gros, c'était la phase la plus importante parce qu'il a fallu, dans un premier temps, avoir des séances d'aspersion dans les écoles et églises. Et je profite également pour dire qu'il y a eu environ 180 séances et d'aspersion dans les commissariats, dans les églises, dans les écoles également, où pendant le week-end, les groupes ou équipes de zone ont été sur le terrain pour asperger, alors dans leur étape d'aspersion, parce qu'il fallait, quand on parle de COVID-19, bien sûr qu'on n'a pas été informé. Là, je parle de février, mais AGRK a voulu prendre devant pour assurer et que tout, de faire ce qu'il fallait faire à ce moment. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.